Bonjour mesdames, bonjour messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion du club actionnaire Wavestone. Je m'appelle Justine Brosset, je travaille au sein de l'équipe relations actionnaires du cabinet et j'ai le plaisir d'animer cette réunion. Nous reviendrons ensemble sur la publication des résultats annuels 2019-2020, puis nous aborderons les impacts de l'épidémie de Covid-19 sur les premiers mois de l'exercice 2020-2021. Accueillons sans plus tarder les personnes qui vont intervenir ce matin. Pascal Imbert, cofondateur et président du directoire de Wavestone. Bonjour Pascal. Bonjour Justine, bonjour à tous. Et Tiffany Bordier, directrice financière de Wavestone. Bonjour Tiffany. Bonjour Justine, bonjour à tous. Vous avez d'ailleurs dès maintenant et tout au long de la réunion la possibilité d'utiliser la partie droite de votre écran pour nous soumettre vos questions par écrit uniquement. Il vous suffit d'activer la section en cliquant sur le bouton associé en haut à droite de l'écran. Vous êtes nombreux à vous être connectés ce matin et nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions. L'équipe de modération fera son maximum pour traiter la plupart des sujets. Je passe sans plus attendre la parole à Tiffany Bordier pour évoquer les points clés de l'activité sur l'exercice 2019-2020. Tiffany, c'est à toi. Merci Justine. Un des premiers points marquants que je voulais partager avec vous, c'est le fait que nous avons réalisé un plan de recrutement très important, de l'ordre de 900 recrutements bruts. Nous avons par contre pris la décision de stopper net ce plan mi-mars suite aux mesures de confinement et à la dégradation de la conjoncture économique. Ensuite, vous pouvez voir que le taux de turnover a poursuivi sa baisse pour s'établir à 14% contre 18% l'an dernier. Autre point clé de l'exercice, le taux d'activité. Ce dernier recule de 4 points pour s'établir à 71%. Il a été particulièrement mis sous pression en fin d'année car il nous a fallu absorber le plan dynamique d'embauche que je viens d'évoquer, mais aussi faire face à un ralentissement brutal de l'activité. Enfin, du point de vue des prix de vente, nous pouvons voir qu'ils se sont bien tenus à 878 euros grâce à la contribution de W Group, filiale américaine consolidée depuis août 2019 et dont je vais vous parler dans un instant. Hors W Group, les prix de vente sont en recul de 1%. Un grand point de satisfaction de l'année, c'est l'acquisition du cabinet W Group l'été dernier. Basé à Philadelphie, le métier de W Group est de conseiller les DSI des grandes entreprises dans leur chantier lié à la transformation IT et digitale. W Group a réalisé de très bonnes performances sur ce premier exercice au sein de Wavestone. Le projet d'intégration au sein du cabinet est par ailleurs en bonne voie et nous voyons se matérialiser de premières synergies commerciales, notamment entre Wavestone US et W Group. Plus largement, cette acquisition a marqué une accélération de notre développement aux États-Unis par le changement de dimension avec plus de 100 personnes présentes outre-Atlantique, mais aussi par une plus forte représentation d'entreprises américaines dans notre portefeuille client, jusqu'alors très marquée par des filiales européennes de grands groupes. Voici pour les éléments marquants de cet exercice. Je vous propose maintenant d'entrer dans le détail des résultats financiers. Comme vous pouvez le voir, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires de 422 millions d'euros, soit une croissance totale de 8% sur l'exercice.
Cette croissance, en ligne avec notre guidance, bénéficie de la contribution de W Group, mais aussi de Métis Consulting, consolidé depuis novembre 2018. Retraité de ses effets périmètres et à change constant, la croissance est modeste à 2%. Autre élément notable sur notre chiffre d'affaires, les mesures de confinement qui ont eu un impact négatif et qu'on peut estimer à environ 2 millions d'euros. Wavestone a réalisé un résultat opérationnel courant de 55,7 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante qui est restée solide à 13,2%, en ligne avec notre objectif fixé en début d'année. L'amélioration du ratio prix de vente sur salaire a permis de compenser en partie la baisse du taux d'activité. Enfin, dernier élément marquant du compte de résultat, nous avons mené fin mars une renégociation de notre financement auprès de nos partenaires bancaires pour allonger la maturité de la dette existante, diminuer son coût, mais aussi se doter de nouvelles lignes de crédit. Cette opération a généré un surcoût ponctuel, expliquant la hausse du coût de l'endettement financier net. Pour conclure sur ce slide, vous pouvez voir que le résultat net est quasi stable à 31,1 millions d'euros et que la marge nette recule de 0,5 points pour s'établir à 7,4%. Dans les points marquants à retenir sur le bilan, il y a les capitaux propres de Wavestone qui sont en progression de 26,3 millions d'euros pour s'établir à 177,1 millions d'euros. Il y a également les écarts d'acquisition qui sont passés à 166,5 millions d'euros suite à l'acquisition de W Group. Comme tous les ans, nous avons testé ces écarts d'acquisition et il n'y a pas de dépréciation à constater dans les comptes. Enfin, dernier élément notable de ce bilan, Wavestone dispose d'une trésorerie confortable de 65,1 millions d'euros et voit son endettement net reculer à 29,1 millions d'euros contre 38,7 millions d'euros l'année précédente. Ceci fait suite à une bonne génération de cash liée à l'activité et notamment liée à l'amélioration du poste client. Petite précision à ce sujet, nous constatons qu'en dépit de la crise sanitaire, nos clients n'ont pas allongé leur délai de règlement. Regardons maintenant le capital de Wavestone. Vous pouvez voir que la part détenue par les fondateurs et mandataires sociaux a augmenté à 55,3%. Cela fait suite à l'intégration dans cette catégorie de la fille de Michel Danquane, qui a rejoint l'action de concert des fondateurs à l'occasion d'une opération de reclassement de la participation détenue par ce dernier. Le flottant représente désormais donc près de 35% du capital et les salariés du cabinet 8,2%, dont 2,7% détenus à travers le FCPE ou Wavestone Action. Comme annoncé en avril dernier, dans le contexte du Covid-19 et du fait du recours à l'activité partielle, nous allons proposer à la prochaine Assemblée Générale de ne pas verser de dividendes. Enfin, dernier commentaire sur ce slide, nous avons créé en avril 2020 un comité consultatif des actionnaires individuels de Wavestone, composé de membres externes et internes. Son objectif est de recueillir les avis sur les différents aspects de la communication actionnaire du cabinet et d'améliorer nos supports de communication. Ce comité nous a d'ailleurs déjà prodigué des premiers conseils très précieux, puisque c'est sur sa chaude recommandation que nous avons décidé d'organiser aujourd'hui cette réunion avec vous. Pour finir cette partie financière, vous pouvez voir qu'après une hausse du cours au début de l'année 2019, le titre de Wavestone s'est inscrit en repli à partir de l'été, et particulièrement depuis le mois de mars 2020 et la crise sanitaire du Covid-19. Nous notons toutefois, depuis début avril, une remontée progressive du cours à l'image de nos comparables. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, le cours du titre Wavestone a diminué de 14%, tandis que le CAC Mid and Small a lui reculé de 1%. Si nous regardons l'évolution du cours de bourse depuis janvier 2020, il a également souffert dans des proportions plus importantes que le CAC Mid and Small, avec un recul de 31%. Pascal, je te laisse maintenant la parole pour évoquer l'impact de la crise sanitaire sur les premiers mois de l'exercice. Merci Tiffany, et merci de ce commentaire donc, sur l'exercice 2019-2020. Depuis le début de l'exercice 2020-2021, le monde a changé, nous sommes dans un environnement complètement différent. Et la crise liée à l'épidémie de coronavirus s'avère être un choc économique comme aucun d'entre nous n'en a connu jusqu'à présent. Le choc est particulièrement significatif pour le marché du conseil et ce marché va souffrir certainement tout au long de l'année 2020 des conséquences économiques de cette épidémie. Le cabinet Source Global Research
estime ainsi que le marché du conseil pourrait reculer en 2020 de 18% en Europe. C'est considérable. Et effectivement, on constate, depuis le début de la crise liée au Covid-19, que pour Wavestone, l'activité a décroché d'environ 20% immédiatement après l'irruption de cette crise, pendant le début des mesures de confinement. Moins 20% par rapport à la situation que nous connaissions jusqu'à la mi-mars. La situation s'est ensuite stabilisée. Nous avons même pu observer une légère amélioration en fin de premier trimestre 2020-2021, sur le mois de juin en particulier, ce qui fait que le recul sur l'ensemble du premier trimestre est plutôt de l'ordre de 15% par rapport à la situation pré-confinement, alors que l'impact immédiat, comme je le disais à l'instant, était un peu plus important. L'amélioration dont je viens de parler, elle ne doit pour autant pas être perçue comme le début d'une reprise. La crise économique est là, est bien là. Et nous manquons aujourd'hui de visibilité sur les mois à venir. Pensons d'ailleurs que le second trimestre reste très délicat et il pourrait connaître une nouvelle dégradation dans une proportion sans doute assez limitée, mais il pourrait connaître une nouvelle dégradation de l'activité par rapport à ce que nous avons connu au premier trimestre de l'exercice. Dès la mi-mars, dès que cette crise soudaine a commencé à peser sur notre activité, nous avons engagé plusieurs mesures immédiates destinées à atténuer le poids de la sous-activité de nos équipes. Nous avons ainsi gelé les embauches, nous avons mis en œuvre des mesures de prise de congé, nous avons eu recours au dispositif d'activité partielle également, dispositif qui a concerné sur le premier trimestre de l'ordre de 12% des effectifs facturables du cabinet. Enfin, dans un esprit de précaution et de responsabilité, Tiffany l'évoquait tout à l'heure, le directoire et le conseil de surveillance du cabinet ont décidé de ne pas proposer à l'Assemblée générale du 28 juillet le versement d'un dividende. C'est une décision qui n'a pas été prise à la légère, c'est même une première depuis 2000. Vous savez l'attachement de Wavestone à verser chaque année, quelles que soient les circonstances, un dividende au titre de l'exercice écoulé et un dividende qui avait progressé depuis 2000 sans interruption, année après année. Mais les circonstances nous amènent effectivement à prendre cette précaution. Précaution qui nous paraît d'autant plus légitime que nous avons recours en ce moment aux aides de l'État à travers le dispositif d'activité partielle. Après les mesures immédiates prises à la mi-mars, nous nous sommes mis en ordre de bataille à partir de la fin du mois d'avril pour affronter cet environnement économique adverse. Nous nous sommes mis en ordre de bataille en commençant par entreprendre une relance vigoureuse de notre activité commerciale. Les équipes de business development de Wavestone ont été renforcées et elles sont en train d'ailleurs de l'être encore. Et surtout, nous nous sommes fixés des priorités. Une première priorité qui a été de faire redécoller notre rythme de prospection qui avait été mis à mal au début de la période de confinement. Une deuxième priorité qui est d'orienter nos efforts commerciaux vers les secteurs sur lesquels nous avons décidé de parier parce que nous pensons qu'ils vont être plus résilients que les autres. Dans ces secteurs, il y a l'industrie pharmaceutique, les services financiers, les utilities, c'est-à-dire des clients comme EDF ou Engie, et le secteur public. En parallèle, nous réorientons aussi nos efforts sur des offres de services qui nous paraissent être les plus en phase avec les enjeux de la période pour nos clients, des offres telles que la cybersécurité, l'optimisation des systèmes d'information de nos clients ou encore la recherche d'efficacité opérationnelle. Au-delà de cette relance commerciale, notre plan de bataille il consiste aussi à adapter la voilure du cabinet aux circonstances. Nous maintenons donc le gel des embauches en vigueur depuis mi-mars, jusqu'à ce que nous y voyons plus clair. Nous mettons également en œuvre un plan de performance afin d'abaisser notre point mort. Nous devrions ainsi être en mesure de dégager de l'ordre de 15 millions d'euros d'économies sur nos charges externes sur l'exercice, 15 millions d'euros d'économies par rapport aux dépenses que nous avions consenti au cours de l'exercice précédent, au cours de l'exercice 2019-2020. Je précise que ce montant d'économie n'intègre pas l'effet des dispositifs d'activité partielle.
et qu'il ne prévoit pas de mesures d'ajustement des effectifs du cabinet. Nous avons en outre, dans le cadre de notre plan de bataille, décidé de mobiliser toutes les équipes de Wavestone, quelles que soient leurs fonctions, leurs practices ou leur bureau d'appartenance, sur un objectif commun à l'ensemble du cabinet, qui est la rentabilité opérationnelle de Wavestone. Enfin, nous avons mis en sommeil le plan stratégique Wavestone 2021. Nous souhaitons en effet nous focaliser sur les actions court terme et dans ce cadre, les projets de croissance externe sont suspendus. Je précise que dans ce contexte très incertain, nous considérons que nous ne sommes pas en mesure de fixer des objectifs financiers pour l'exercice en cours, contrairement à notre habitude. Nous nous apprêtons donc à vivre un exercice mouvementé. Mais je voudrais pour autant vous communiquer notre confiance dans la capacité de Wavestone à surmonter cette crise. Wavestone a déjà en effet affronté avec succès plusieurs crises dont nous avons tiré des enseignements et nous avons en particulier identifié parmi nos atouts ceux qui sont clés pour traverser de telles périodes. Des atouts au premier rang desquels se trouve notre savoir-faire commercial, avec une organisation commerciale éprouvée, une équipe de business développement dédiée et qui a l'habitude de pénétrer de nouveaux secteurs d'activité, de conquérir de nouveaux clients ou de déplacer rapidement le cabinet vers de nouveaux sujets. Notre deuxième atout, c'est notre modèle opérationnel. Un modèle opérationnel efficient nous permettant d'équilibrer souplement la charge d'une practice à une autre en nous appuyant sur des équipes de management dotées d'une forte culture du pilotage et de la recherche de performance. Wavestone dispose également d'une situation financière solide, Tiffany l'a évoqué tout à l'heure. Cette situation financière, elle s'est d'ailleurs encore renforcée à la fin juin par rapport à la situation à fin mars, grâce, comme l'évoquait Tiffany, à des règlements clients qui se déroulent dans de bonnes conditions et grâce à une précaution, une attention extrême que nous faisons, que nous portons à la préservation de notre cash. Enfin, Wavestone va pouvoir s'appuyer sur une grande force, une force clé qui est plus précieuse encore dans cette période, qui est l'engagement et le sens du collectif de l'ensemble de ses collaborateurs. Voilà donc les commentaires que Tiffany et moi-même souhaitions faire ce matin. Il nous reste à vous remercier de votre attention et surtout maintenant à nous tenir à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Pascal, merci Tiffany. Chers actionnaires, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit uniquement. Pour cela, il vous suffit d'activer la section en cliquant sur le bouton « Associé » en haut à droite de l'écran. L'équipe de modération fera son maximum pour traiter la plupart des questions que vous allez nous soumettre. Donc, je vous propose de commencer par une première question qui porte sur la compréhension d'une des résolutions qui sera proposée à l'Assemblée générale. Donc, c'est la 14e résolution. Pour éclairer en fait, les actionnaires sur une potentielle contradiction qui dirait qu'on proposera aux actionnaires individuels, contrairement aux années précédentes, de supprimer l'objectif de rachat en vue de l'annulation d'action du nouveau programme de rachat d'action. Mais pour autant, on donne un montant maximal des fonds destinés à l'achat des actions de la société qui ne pourra pas dépasser 103 millions d'euros. Donc, du coup, l'actionnaire se pose la question de, d'un côté, on indique qu'on n'aura pas d'objectif de rachat de vos propres actions en 2020, tant pour les années antérieures, mais de l'autre côté, on fixe un montant de rachat à 103 millions d'euros. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette résolution? Pas de problème. Je vais essayer en tout cas. Concernant cette résolution, chaque année, on demande l'autorisation à l'Assemblée générale pouvoir procéder à un programme de rachat qui peut se faire pour différents objectifs, par exemple la liquidité du titre ou par exemple livrer attribuer des actions gratuites à nos salariés. Et une des possibilités aussi qu'on se donnait les années passées, c'était de pouvoir racheter des actions en vue de les annuler via réduction de capital. Dans la résolution de cette année, numéro 14, en fait, on demande à l'Assemblée générale de nous donner la possibilité de racheter nos actions, mais en excluant uniquement
le cas de rachat d'actions pour les annuler ensuite via une réduction de capital. Par contre, on demande à l'Assemblée générale de maintenir l'autorisation de pouvoir racheter des actions pour les exemples que j'ai donnés, par exemple liquidité du titre, animation du titre ou attribution gratuite d'actions. Et donc, dans le montant que vous pouvez voir en fin de résolution sur le plafond maximum de rachat d'actions autorisé, bah, du coup, il va couvrir que sur les raisons pour lesquelles l'Assemblée générale a donné son approbation, donc par exemple, animation du titre ou attribution gratuite d'actions. Merci beaucoup pour la réponse. On a une autre question sur le turnover. Comment analysez-vous la baisse du turnover et est-ce que c'est lié à une meilleure rémunération? Alors, nous analysons la baisse du turnover comme étant finalement la résultante de deux éléments qui sont d'une part le fait que nous avons travaillé à améliorer notre organisation en matière de ressources humaines, et en particulier nous avons densifié les équipes de ressources humaines du cabinet qui ont pu développer plus de proximité avec les équipes, qui ont pu, permis de mieux traiter également les préoccupations des collaborateurs. Nous avons donc travaillé, je dirais, sur le plan des ressources humaines et essayé d'éliminer un certain nombre de faiblesses ou en tout cas de traiter un certain nombre de points d'amélioration que nous pouvions avoir dans notre politique de ressources humaines sans toucher pour autant à notre politique de rémunération. La politique de rémunération est restée identique depuis la création de Wavestone, dans une politique de rémunération qui consiste à nous caler sur des benchmarks du marché. Cette politique de rémunération, elle est extrêmement transparente, extrêmement claire. Elle est, tous les collaborateurs de Wavestone la connaissent. Il y a des points de repère chiffrés, notamment pour chacun des grades que peuvent atteindre les consultants au cours de leur progression. Et donc, le levier, la rémunération, n'a pas joué dans cette amélioration de notre dispositif et de notre plan d'action RH. Il y a quand même un deuxième élément qu'il faut que je souligne, qui est venu contribuer à la baisse du turnover, qui est que à partir du début de l'année 2019, on a commencé à sentir une certaine détente sur le marché. 2018 avait été une année extrêmement difficile, beaucoup de tensions sur le marché des ressources humaines, beaucoup de sollicitations vis-à-vis de nos équipes. Et depuis le début 2019, le marché s'est un petit peu calmé. Alors bien sûr, pour en dire deux mots, depuis mi-mars, avec la crise du Covid-19, la détente est maintenant totale sur le marché. Nous voyons notre niveau de turnover très fortement chuté. Nous pensons que dans le courant de l'exercice, il aura été divisé de moitié par rapport à celui que nous avons connu au cours de l'exercice 2019-2020. Donc, on devrait avoir un turnover qui devrait tourner, il va être entre 6 et 8%. Merci beaucoup. On a une troisième question sur le cours de bourse de Wavestone. Comment analysez-vous la baisse du cours de bourse de Wavestone par rapport aux indices de référence? C'est Tiffany, là, tu me laisses les questions difficiles. C'est une bonne question. Tu me laisses les questions difficiles. Écoutez, je pense que aujourd'hui, effectivement, Wavestone, qui avait très longtemps surperformé ses indices de référence, est dans une période dans laquelle finalement nous performons un petit peu moins bien que les indices de référence. Donc, je pense que c'est pour une première part un petit retour des choses. Je dirais que cette longue période de surperformance devait arriver à une pause et peut-être que maintenant nous sommes en train un petit peu de subir ce réajustement. Le deuxième élément que je peux intégrer, c'est que nous avons eu un discours très prudent qui a commencé d'ailleurs avant la crise du Covid-19. L'année dernière, nous étions très très exposés au secteur des services financiers. Le secteur des services financiers n'avait pas été extrêmement porteur en 2019. On l'a beaucoup partagé
on a eu un discours très prudent, peut-être un petit peu trop, puisque vous l'avez vu finalement, nos résultats sur l'ensemble de l'exercice, même si la croissance organique a été un petit peu décevante, pour autant la rentabilité a été au rendez-vous conformément à notre guidance. Et nous continuons à être très prudents dans notre discours parce que nous manquons de visibilité. Wavestone est une entreprise qui est engagée dans un projet de long terme. Ce qui nous intéresse, c'est finalement de capitaliser avec nos actionnaires, qu'ils soient institutionnels ou individuels, dans une confiance totale. N'hésitons pas à dire quand nous ne sommes pas sûrs de nous, quand nous voyons des nuages à l'horizon. Nous pensons que c'est le prix à payer pour que nous soyons parfaitement crédibles quand ensuite nous fixons des objectifs et que nous disons que nous allons bien et que la suite de l'activité va bien se passer. Et ça peut passer, donc cette transparence dont nous faisons preuve peut passer par des périodes dans lesquelles effectivement nous souffrons un petit peu plus que nos comparables. On pense que sur la durée, pour autant, c'est une approche et une posture qui est payante et qui va permettre à l'action Wavestone de continuer dans le long terme à être une action extrêmement, extrêmement performante. Mais je comprends derrière cette question finalement un petit doute que vous avez, et il est légitime. Je suis persuadé que notre stratégie et notre approche est une approche qui, dans une optique de long terme, est sans doute la meilleure approche. Merci Pascal. On a une nouvelle question. Est-ce que pour cette année, vous avez prévu plusieurs scénarios, trois scénarios, peut-être un scénario plus optimiste, un plus pessimiste et un intermédiaire? Oui, tout à fait. Quand on manque de visibilité, il est nécessaire d'avoir un éventail de scénarios, et on a fait exactement ce que vous décrivez. On a fait un scénario crash test, ce qu'on estime être le cas le plus mauvais, pour vérifier finalement que nous n'étions pas dans une situation qui pourrait à un moment compromettre des enjeux vraiment vitaux pour l'entreprise. On a fait un scénario médian et on a fait un scénario optimiste, basé, pour en dire quelques mots, sur l'hypothèse d'une reprise qui est plutôt une reprise en V, c'est-à-dire assez précoce, qui pourrait intervenir avant la fin de l'année 2020, et donc avec une reprise assez, assez vigoureuse. Pour l'instant, donc, comme je disais, nous manquons énormément de visibilité, mais ce qui est important, c'est que finalement, nous nous sommes organisés de manière à pouvoir résister en cas de poursuite de la crise sur une longue période dans des conditions extrêmement difficiles. Nous avons pris toutes les mesures, dont des mesures difficiles que j'ai déjà évoquées, qu'il s'agisse du gel des recrutements, des mesures d'économie qui parfois sont un petit peu difficiles à absorber, ou de la mesure que nous avons détaillée tout à l'heure sur les dividendes. Elles sont taillées pour ce crash test. J'espère que, bien sûr, nous serons capables de faire mieux que ce crash test et que nous pourrons profiter à la fois des moyens que nous mettons en œuvre pour relancer l'activité, et puis peut-être d'une certaine détente sur le marché qui se profilera, je l'espère, le plus tôt possible. Nous avons taillé finalement notre dispositif pour être capable, tout en nous protégeant et en prenant des mesures donc assez défensives, être capable de profiter du rebond dès qu'il interviendra. Et donc cette volonté de finalement mettre au premier plan de notre réaction par rapport à la crise d'investissement commercial est quelque chose qui permettra de bien tirer parti du rebond du marché à partir du moment où il sera là. Merci Pascal. Pour l'instant, nous n'avons plus de questions. Donc je peux peut-être rajouter une question qui est arrivée par courrier en vue de notre Assemblée générale, mais qui est forcément une question effectivement que tout le monde se pose. Vous l'avez vu, nous avons décidé d'organiser notre Assemblée générale du 28 juillet prochain à huis clos. Nous avons maintenu la date de cette Assemblée générale.
mais en la maintenant à huis clos. C'était un choix finalement sur lequel nous avons un petit peu hésité, et un de nos actionnaires nous interpelle en nous disant, mais finalement, alors que l'épidémie est en train de se résorber, pourquoi tenir encore une assemblée générale à huis clos, et si vous souhaitiez être prudent, pourquoi n'avez-vous pas simplement repoussé l'assemblée générale au mois de septembre? Donc on a regardé un certain nombre de scénarios possibles, en fait, sur la suite de l'épidémie comme sur le contexte économique, nous manquons de visibilité. On le voit bien, alors que tous les indicateurs étaient au vert, on parle de plus en plus d'une deuxième vague, et nous avons, vu que nous sommes obligés d'anticiper dans le cadre de notre convocation des actionnaires, nous avons voulu choisir la voie la plus sûre. Et nous nous sommes dit, il ne sert à rien d'attendre le mois de septembre, parce que c'est peut-être au contraire, au moment de la rentrée, qu'il pourrait y avoir une deuxième vague. Donc nous avons, et nous en sommes désolés, décidé de tenir l'Assemblée générale à huis clos. Nous avons mis en place des moyens pour que vous puissiez néanmoins suivre cette Assemblée générale en direct, que vous puissiez poser des questions à l'occasion de cette Assemblée générale. Bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions avant l'Assemblée générale par des messages sur notre site web ou par courrier, comme l'avait fait cet actionnaire. Nous sommes assurés que grâce à votre accès, en particulier, tous les actionnaires qui veulent s'exprimer et veulent voter aux résolutions auront un moyen très simple de participer au vote. Donc, au-delà des votes par correspondance, n'hésitez pas à utiliser la plateforme Vote Access, qui vous permet très simplement, à partir de votre site bancaire, de voter à l'Assemblée générale de Wavestone. Et enfin, nous avons prévu, dès que les conditions sanitaires seront parfaitement éclaircies, d'organiser une réunion destinée aux membres du club actionnaire, mais que nous pourrons envisager d'ouvrir plus largement pour rattraper le temps perdu et effectivement avoir l'occasion d'un contact plus direct, en particulier avec nos actionnaires individuels. Merci Pascal. On a reçu une dernière question. Pensez-vous pérenniser ce style de réunion, notamment pour la présentation des résultats trimestriels, par exemple, ou d'autres événements importants? Eh bien, écoutez, c'est une très bonne suggestion. Je pense que nous sommes tous en train de découvrir finalement de nouveaux moyens de communication. C'est au moins le côté positif de cet épisode de COVID-19. Si vous appréciez le format, n'hésitez pas d'ailleurs à nous transmettre vos feedbacks sur le format de ce type de réunion. Mais c'est une très bonne idée. Donc, écoutez, je vous propose effectivement que nous instituions ce type de rendez-vous à l'occasion de nos publications, au moins semestrielles, mais pourquoi pas effectivement trimestrielles également. Nous aurons beaucoup de plaisir à le faire si vous êtes preneur de ce type de format. Merci beaucoup. Nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant, donc je vous propose de conclure la réunion. Merci à tous pour votre attention. Et donc, on vous donne rendez-vous au 28 juillet pour l'Assemblée générale qui aura lieu à huis clos. Encore à distance, malheureusement, mais c'était très sympathique d'avoir ces questions. Merci encore. Portez-vous bien et à très bientôt pour notre Assemblée générale. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée, au revoir.